visite de commandement et d'inspection ainsi que réconforter les troupes qui ont combattu lors des attaques des terroristes M23 et ses alliés rwandais. Voilà la mission qui a conduit ce jeudi 9 juin 2022 le chef d'état-major général des FARDC, le gouverneur du Nord Kivu et le commandant de la 3e zone de défense à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Aussitôt arrivé, le commandant en force des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussense, a animé une parade mixte à l'intention des éléments FARDC et PNC commis sur les lignes de front. Il a eu le temps de remonter le moral de ces vaillants combattants déterminés à ne jamais trahir le Congo. Célestin Mbala les a appelés à l'ordre et à rester sur leur garde pour bouter l'ennemi hors du territoire congolais. Commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, la police, Naye, Pona Bota Labino, Kotpe Sabino Mbote, et Outi et Painaye, Pekope Sabino, encouragement. Le commandant en chef des FARDC a bravé les montagnes de Kibumba pour atteindre la position de Kingarame en face du mont Mikeno, séparant le Rwanda et la RDC, où il a donné les instructions fermes du commandant suprême des FARDC aux troupes. Soucieux de l'encadrement de ces éléments, il a partagé le repas au sommet de cette montagne.